Le bilan, c'est le plaisir de naviguer en famille, à deux ou même en solitaire. Vous le mènerez en toute sécurité, aussi bien pour une courte promenade que pour un pique-nique aux îles ou une régate amicale. Donc c'est un bateau très facile à mettre en œuvre, aussi bien pour le mater que pour le mettre à l'eau tout seul. Ensuite, en navigation, il est parfaitement utilisable en solitaire. Nous avons donc soigné particulièrement la silhouette du bateau, en y ajoutant également un pont en aspect tech et un gréement voirie en carbone. De plus, les clients ont la possibilité de choisir la couleur de la coque de leur bateau, ce qui permet de faire un bateau assez unique. Nous avons conçu un bateau qui soit un dériveur intégral, c'est-à-dire qu'il peut beacher très facilement. Pour cela, nous avons conçu une dérive un peu spéciale, puisque c'est une dérive rétractable sur laquelle a été mis un lest en plomb de 150 kg qui descend à 1,30 m de profondeur et qui donne un bon coup de redressement. Le fait d'avoir travaillé avec le cabinet d'architecte Finoconc nous a permis de concevoir un bateau avec une carène ici de la course au large. Marine Composite existe depuis 20 ans. Puis 2006 a lancé la construction en polyester de la Gazelle, qui est une plate en V du golfe du Morbihan, dont nous avons vendu 80 exemplaires en 10 ans. Marine Composite, c'est aujourd'hui une équipe de 8 compagnons, tout à fait polyvalents, qui nous permet de réaliser l'ensemble des tâches de la construction d'un bateau. Le bateau sera présent au Grand Pavois de La Rochelle sur le stand de la Bretagne en J04. Et ensuite, il participera à l'élection du bateau de l'année avec la revue Voile Magazine.